Henri, c'est un collègue, c'est un ami, un vrai président. Tous les membres défêlés de l'orthographe en sont fiers, et à juste titre. Henri, c'est un humaniste, comme les écrivains de la Renaissance, ceux de la Pléiade. Comme eux, il a fait de la défense et de l'illustration de la langue française son credo. Henri, c'est notre conseiller, notre guide. En un mot, c'est notre mentor à tous. Henri Le Guen, c'est un timide peut-être, qui jamais, spontanément, ne se met en avant. Henri Le Guen, un grand monsieur cependant, sous des dehors humbles. Un homme de cœur qui cultive le sens de l'accueil, qui a le souci de l'autre, qui est épris de justice jusqu'au tréfonds de son âme intime. Henri, c'est un travailleur infatigable et perfectionniste à l'extrême, qui ne laisse aucun détail inexpliqué. Henri, un fin lettré, au lexique étendu, usant avec brio d'associations parfois inattendues, au style soutenu, ciselé, riche, raffiné, empreint d'art et de poésie. Un quatméalien de souche, guesnousien de longue date, blanc bourgeois d'adoption au sein des fêlés, apprécié et reconnu dans le milieu orthographique de l'Hexagone, voire de la francophonie.